Petite mais espiègle Maya qui se ramène avec son bazooka Maya. Ah, c'est vrai qu'on avait ramassé pas mal d'iridium la dernière fois. Oui, c'est vrai. Alors t'achètes quoi? T'as aucune preuve. Tu perds ton temps. Tu veux bien chercher mon spray? Quoi, ça, je toi, tu les stag. T'en viens en pute. Non, c'est pas lui, mais. Tendu. Pour de vrai que vous pouvez stocker dans le coffre. Non, alors, pistolet, mitrailleur. Qu'est-ce que tu veux, toi? Munition de pistolet, munition de bazooka. Surtout, dis à personne où t'as eu ça! La maison reprend pas les articles achetés! Ah, j'en ai encore compris. En espérant que tu tueras mieux avec ce que vous trouvez! Surtout, dis à personne où t'as eu ça! Rapace! Ça me dit! Repasse, ça m'occupe, si tu veux. Niveau de brutasse. Bon. Ah, j'en ai un aussi. Ah, par contre, j'en ai pas. Non. Si, j'ai un point de compétence. Ah oui, c'est vrai. Bah écoute, comme je suis parti. J'ai 3 niveaux de brutasse. Moi, je crois que je l'ai... Ah non, j'ai un point de compétence aussi. Sans hésiter si Jack ne menaçait pas de nous torturer à mort. Mmh. Quand vous mourrez, je serai vraiment triste. Ah bon? Eh, toujours pas passé l'arme à gauche? Tiens. Qu'est-ce que t'as foutu? Tu lui as mis un coup? Oh, la tourelle peut créer un bouclier? Ah merde, j'avais pas vu ça. C'est pas mal. Le problème, c'est que c'est tellement loin. Quoi? Tu l'as pas tué quand même? Non, non, ça c'est un autre pignouf random. Oh, c'est lui qui l'a buté là. Monsieur qui s'est branché. Si vous m'entendez et si vous êtes assez sain d'esprit pour comprendre ce message, fous-moi la paix! C'est vrai, de Larry. Je te dis à quel point ce jeu, ça fait 20 fois que je le ramasse le même. L'armée d'Hyperion va vous massacrer. Si vous voulez survivre, prenez un flingue, dirigez-vous vers Sanctuary et rejoignez les pillards écarlates. Ouais, enfin, ce serait bien d'arrêter de nous foutre les mêmes trucs qui traînent. Je crois que la force, on sait plus lesquels on a ramassé, quoi. Bah, le message de Roland, j'ai l'impression qu'il est un peu partout, en fait. Non, mais celui-là, je crois que je l'ai déjà ramassé 20 fois. Oui, oui, bah, moi pareil. Je suis sûr que c'est exactement le même. Roland, oui. Je pensais pas revenir ici un jour. Ah oui, on va encore avoir ce dialogue. T'avais pas l'air pressé de me revoir. Les temps changent. On a besoin de toute l'aide disponible. Même celle d'un psychopathe assoiffé de sang. Qui t'appelle comme ça? C'est Jack? Non, c'est toi. Il y a 3 ans. Ah, désolé. Je suis content que tu sois là. Oui. Avec l'autre, tu arrives. Content d'être là. Et embrassez-vous. Franchement. Ah non, c'est Mordecai qui a dit hé, franchement, en mode ah, j'aimerais bien voir ça. Bon, donc, Roland. Alors, qu'est-ce qui. Ouh! Bon, lance-roquette, je m'en fous. L'autre truc, c'est quoi? Ah, mais on les avait pas récupérés déjà? Je sais plus. J'ai un doute là pour le coup. Après, plus d'un, elles attaquent encore à corps. Mais c'est un bonus de dégâts. Ah ouais, en fait, je m'en bats les couilles. Des dégâts quoi? Des dégâts de raid, je sais pas du tout ce que c'est. Mais c'est quoi comme arme? Et l'autre, l'arme, c'est un lance-roquette. Enfin, moi j'ai un lance-roquette en tout cas. Merci beaucoup. Ah oui, t'as un lance-roquette. Ah bah, toi, un lance-roquette au slag, et puis moi j'ai un lance-roquette normal. Lol. Quelle arnaque. Favoritisme, c'est parce que c'est une meuf, c'est ça? Ouais. Connard de machiste. C'est pour ça que j'ai toujours joué avec un personnage féminin, peu importe en niveau. Tu dois te rendre à Opportunity. Pour ouvrir la dernière porte qui mène à ma salle, tu dois être Jack. Enfin. Oui, oui, du coup, on avait déjà entendu ça. Je voudrais déjà être Jack. Ça me fait vraiment mal de te dire.
mélange est notre meilleure chance pour le moment. Et que justement, le clone de Jack en question que tu utilises dans Borderlands 2, c'est un des joueurs que tu peux jouer dans Pre-Sequel. Non. C'est le clone de Jack. Enfin, le sosie de Jack. D'ailleurs, je me souviens que je l'avais pris quand on avait commencé. Ah, mais je l'avais équipé, je crois, ça. Je ne sais plus. J'achète toujours les flingues dont vous ne vous servez pas. Attends, il y a un truc qui cloche. Votre argent ne vaut rien si vous ne le dépensez pas. Chut, fais du mal. Mais ensuite... Tiens, regarde, je te teabag pendant que tu fais tes courses. Max moins 184. Force de corrosion. Ça reste une autre clé, je crois. C'est quoi ça? Oh, je peux réinitialiser les compétences. Attends, je me demande si je vais pas faire ça. Ouais, allez. Montre religieuse. Ah, mais j'ai des... Ok. La grande bleue. Le jaune Rambo. Non. Ils auraient pas osé. C'est pas un jeu de mots pourri quand même. 1, 2, 3, 4. Combien il m'en faut pour avoir le bouclier pour la tourelle? Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh mais attends, mais combien de skins de ouf? 8, 9, 10. Merde. Éthéré, ça a l'air cool. Insecticide. Je suis en train de me demander s'il y a un skin, c'est pas un jeu de mots pourri. Ah, c'est fort possible. Attends. Attends dessus, je te l'aurais dit. Ah bah il est là. Le jaune Rambo. Pas pour la survie. Bref, la bande bleue. Pierre que je vous dis, au secours. Violence mentale, où j'ai mis. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ça, il me reste combien de points à mettre là-dedans? 5 aussi. Ouais. Eh bien on va mettre le... Oh, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Parce que là, dans 6 niveaux, je pourrais remettre les missiles sur ma... Sur des... Je sais pas. Au pire, je vais essayer avec le bouclier pour voir. Ok. Jamais plus. What the fuck. Alimenté pur. Mission rosée. Ok. Oh, vous pouvez déployer votre tourelle sur les murs et sur les plafonds, c'est génial ça. Putain, tu veux jouer avec Bayonetta? Oh. À vous. Ah mais tellement. Quelle horreur. Oh, au secours. Oh. Oh non, j'aime bien celui-là. Je vais le garder.
Là, je peux, on peut jouer avec Bayonetta, quoi, vous êtes. Ah, mais tellement. attends, faut qu'on prenne un téléporteur, en fait. Forcément. Bon bah du coup on va pouvoir essayer ça rapidement. Attends. Il y a un truc pour... Oui, un véhicule. Bon. Bah oui. Donc. Qu'est-ce que tu... Sur quoi tu tirais là? J'avais envie. J'ai saisi l'opportunité. Ouais. Si je gagne pas au moins 10 abonnés avec cette blague, je sais pas ce qu'il faut. Faisons-en d'autres alors. Voilà, c'est ça. Les blagues. Ah mais ça. Pff, super, pour 2 mètres. C'est le pied. Qui mène à ma salle, tu dois être Jack. Enfin, oui, tu l'as tu déjà dit. Test biométrique et dire un mot de passe avec sa voix. Si tu élimines l'un des sosies de Jack à Opportunity, je peux t'aider à ouvrir cette porte. Jack, tu viens d'être aussi. J'entends des gens qui n'existent pas. Bah c'est bien, au moins le titre de ma vidéo il est tout trouvé. De quoi ? Saisir l'opportunité. Ah. Bah écoute, tu me facilites la tâche, moi je dis pas non hein. Travail non rémunéré. Voilà, exactement. Est-ce qu'on a l'air d'être des bandits ? Vous êtes marrants ou... Non, je sais pas, juste parce que j'aime bien les pièces en fait. Mais on n'est pas des bandits, défendez-vous. Ah merde. Reste calme. Heureusement que t'es là. Pas vraiment, mais... Attends, c'est quoi le flingue là? Oh, c'est nul. Le bouclier en vrai. Attends, c'est quoi ce truc là? Porteur de guerre. La meuf qui lance des ta gueule comme ça de manière totalement gratuite. Ah, le bouclier peut briser quand même. Oui, je me disais aussi, sinon ce serait un peu abusé. Oh.
Non merci, non. Quel vécu. Putain, pour faire boule, moi la paix. Bah regarde les points rouges sur la map. Ah mais non, c'est qu'on est sur leur en derrière, mais je vais pas y aller. Ok, ça pique. Choisis du beau Jack. Pardon. Ça prenait. Ah merde, désolé. Là il est niveau 23 quand même. Ah le bouclier peut s'épuiser mais il peut aussi repop, ça c'est intéressant. Il n'y a pas un petit robot que je peux tuer là ou un petit ingénieur de merde. Ouais, si, c'est bon. Putain, la vache! Quel monstre! Ça va, t'es juste là. Ah bah non, t'es super bon en fait. Ah non, t'es là. D'où je suis un bandit. On arrive sur le plaza de la légende vivante. C'est intéressant. Voilà les gars. Les chasseurs de l'arche auraient pénétré dans la ville. Fuyez au moindre doute. On n'est pas payé assez cher pour ça. C'est ça. Allez,
Attends, laissez-moi. Je vous remercie. Pourquoi je me suis cité tout de suite comme ça, mais j'avais oublié que t'avais ton Heroes Never Die. Hein. Tout va bien aller. La charge d'ordance. Tiens, foutre. Connard, là. Ça va péter. Oh. Tenté où cher. T'es sûr? Tu sais ce que j'ai fait là? Non. Bah j'ai appuyé sur la flèche du bas et je voulais te dire merci comme dans Overwatch. On en est là. Tiens, brûle. Brûle ça. Pour qu'on retrouve le sosie là. Où êtes-vous, monsieur le sosie? Ah oui, c'est barré ce con. Oui, oui. Avant tu l'avais buté. Non, non. Dommage. Il est où? Il est par là. Il est là-bas. Il était. Non, le sosie. Lancement de grenade! Ah, là-haut. Non, il est à l'intérieur. Bah j'ai fait le tour, j'ai trouvé l'entrée. Viens faire mumus. J'ai jamais voulu ça. Cet abruti. Allez, pour faire gaffe, laisse-moi te tuer pour ressusciter. Ah bah t'es là. J'ai l'impression. Ah merde. Pourquoi il tire là en fait? Attends, il est où le porteur? Le porteur il est là. Non, je vais pas. D'accord.
Ok. Par contre, je tiens à dire que la machine insulte le sosie du Bojack. Tiens, brûle, salope. Ouais, je sais quoi ça. En fait, non. Ah, mais tu l'es rendu. Oui. Merci. Putain, la tourelle qui a mis trop de temps à bouger ça. Je me brûle, je me brûle. Putain, son bouclier remonte tellement vite. Merci. Qu'est-ce qui me tire dessus là? Sur quoi tu tires la tourelle? Non mais je vois quelque chose me tire dessus, mais je sais pas c'est quoi. De quoi? Non, il a encore fui. D'abord Opportunity, ah ouais. Ensuite le reste de Pandore. Mais monsieur, vous imaginez des familles emménagées dans cette ville avec leurs enfants? Vous savez que j'étais le premier en France. Mais je n'ai pas à recevoir des conseils sur les enfants de la part de quelqu'un qui n'en a pas. J'ai des enfants, monsieur. Deux garçons. Non, en fait, vous aviez deux garçons. C'est pas mal le bouclier sur la tourelle, ça peut nous sauver les miches si c'est bien utilisé.
Oh, j'en ai déjà. Du coup, faut qu'on aille sur l'objectif, a priori. T'es parti par là, c'est de l'autre côté qu'on doit aller. Ah, c'est malin. Toi, tu le joues ou pas? Non. Ok. Vas-y, finis-le. Fusil à chaussures. Ouais. Ah, il y a encore des ennemis. Ah mais foutez-nous la paix, bordel de merde. Pour lutter contre les risques, ils sont pas payés assez cher, puis que finalement ils viennent quand même. Je sais pas si c'est les mêmes. Je pense. Mais bon. C'est ici? Ça a l'air d'être ici. Ah oh, mais bon, on sent. Saviez-vous que des gens sur cette planète croient encore aux vieilles superstitions? Oh, je... extraterrestres antiques.
Ce sont les bandits. Ouais, ça va marcher. Encore quelques échantillons vocaux de Jack et je pourrais te fabriquer un modulateur de voix. Trouve d'autres échantillons. Saviez-vous que des gens sur cette planète croient encore aux vieilles superstitions? Anges, démons et guerriers extraterrestres. D'accord, donc on en a plusieurs à trouver, ok. Ce sont les bandits. Ouais, ça va marcher. Encore quelques échantillons vocaux de Jack et je pourrais te fabriquer un modulateur de voix. Ah non, trouve d'autres échantillons au kiosque d'information. Salut les enfants! Saviez-vous que le risque de vous faire éviscérer augmente de 8000% si vous quittez Opportunity? Toutes les études. Rien que ça. J'ai presque tout ce qu'il me faut. Encore quelques kiosques, s'il te plaît. Il y en a un là en bas. Bonjour les enfants! Saviez-vous combien ça a coûté à vos mamans et papas de venir vivre en Opportunity? Absolument rien! Votre famille est payée pour être ici. C'est moi qui vous nourris et vous protège. Alors n'oubliez pas, aimez vos parents, mais bon, aimez-moi. Stop! Là, ça doit faire mal! Ah oui, d'accord, tu m'as pas suivi, ok. Ah, t'es mort ? Ouais. Ah, merde. Voilà. C'est bon, t'inquiète. Saviez-vous que polluer Opportunity est puni de peine de mort? Et que toute récrimination contre les lois d'Opportunity constitue une pollution verbale? Putain, mais te mets pas devant moi, je veux faire ton pote. Non, je pense pas non plus. Caché d'une caméra de surveillance P34 cachée grâce au petit.
base du mur. Nous ne voulons pas répéter les erreurs des bandits d'Hyperion sur Prométhée. La moitié de la ville s'est fait massacrer en prenant sa douche. Quoi? Savez-vous que vous êtes sur le site du futur palais de l'extase d'opportunité? Oui, oui. Pour $1000, vous passerez une heure avec un sosie grandeur nature à mon image. Et les pistolets. Ok. Là, j'ai un plus de tragard qui traîne. Non, je suis poursuivi par une folle, au secours! Ta gueule! Je lui dis pas gueule maintenant. Ah merde, c'est en dessous. Ouais, c'est en dessous. Je fais pas même plus toujours quand je termine ma tournée que les bandits attaquent! Carrément! Carrément, mais ouais. Attends, c'est censé être en dessous? Ah, j'ai joué. Oh. Alors, comment t'as fait pour ouvrir cette porte? Elle s'est ouverte toute seule parce qu'elle est sortie de porte. Fixe la mini-montre. Ah, c'est une idée. Bah écoute, vas-y, fais-le parce que moi, j'arrive pas à ouvrir la porte. Non, mais je suis pas passé de là par là, je suis passé de l'autre côté. Prends ton temps surtout. Où ça, de l'autre côté? En gros, là, tu vois juste à gauche, j'ai sauté. Non, gauche là, j'ai sauté là. Maintenant, prends ce modulateur de droite. Là. Et je vais faire direct à droite. Ah oui, d'accord, c'était par là, effectivement. Et donc, il y a quoi là-dedans? Une mitraillette. Deux mitraillettes, ok. Et des munitions. Très efficace contre la chair. Oui, je vais la prendre pour comparer avec celle que j'ai maintenant. Il y a des avantages. Bon, bref. Utilisation impossible, pourquoi? Ah, ok. Ramasser. Super. Bon, malheureusement, tu devras parler avec la voix de Jack jusqu'à la porte de sécurité. Le moment venu, je te donnerai le mot de passe pour l'ouvrir. Non, le mien est mieux, j'ai l'impression. 1, 2. Maintenant, j'ai une voix de gros tocard. Super. Intéressant, Jack. Je me demande ce qui... Oh mon Dieu, j'ai une voix trans. Les deux qui s'amusent en s'entendant parler comme Jack. Est-ce qu'ils ont osé faire que... Alors si nos personnages ont des répliques, ils ont la voix de... Faites tous adieu. Allez. À bientôt. T'as encore quelqu'un? Alors, on va franchir la dernière porte qui mène au noyau central de l'Orge. Elle se
surprise, alors elle a fait un rêve. On va lui renvoyer l'ascenseur. Rejoins-nous. Oui, on va choper la petite marche. Bonjour, bonjour. Ceci est un message du beau Jack pour les... Message à l'attention des résistants, les pillards écarlates. Vous voyez cette ville lumineuse qui se profile à l'horizon? Voilà ce à quoi vous résistez. La beauté, la pureté, l'ordre. Pensez-y la prochaine fois que vous dormirez dans vos déjections. Je suis sûr qu'on se reverra bientôt. Veuillez laisser vos dons d'organes dans le récipient. Comment je suis sûr? Très bon choix. Entre la distance élémentaire, vers Innova. Ok, ça c'est quoi ça? Commando. Allez, Sentinelle fou plus 2 réduit le temps de latence de compétences d'action. Bonne chance! Bizarrement. Manier avec précaution. Que vous pouvez. Faites attention. Qu'est-ce que tu fais? Je pourrais toucher. Deux fois de suite quand même, hein. Tu m'as un peu fait peur là. Non mais j'ai fait rond, je voulais quitter, mais en fait je pensais pas que ça allait faire autre chose. On va aller faire le rapport et puis après on va s'arrêter là. Meurs pas, les morts n'achètent rien. Qu'est-ce que tu fous? Ah bah c'est excellent ça. Oups, le téléporteur il a pas marché. Voilà, c'est ça, on reste bloqué entre les dimensions. Bon. Il faut pas qu'il nous suive. La vieille strat pour eux. Poussez-vous. Ah, ils ont réparé leur radio. En fait, non. Mon orteil est tombé, ce machin sœur de l'arche. Quoi? D'en discuter, tu n'iras pas là-bas sans moi. Point final. Tu dois rester pour protéger Sanctuary. Si c'est encore un piège, tu devras protéger tous ces gens. C'est parce que l'ange ne veut pas que je vienne? C'est ça, pas vrai? L'élite, merde! Tu peux me faire confiance, oui? Si tu te fais tuer, je vais être vraiment furieuse. C'est noté. Si tu survis, je t'arrache tous tes vêtements avec les dents. Là, c'est... Lilith, on est là, je te signale! Personne n'a envie d'entendre ça! Allez! Il a vu des trucs affreux, mais par les culs. L'heure est venue, vous tous. L'élite, Mordecai, vous protégez la vie. Brick, tu assures le soutien aérien depuis Thousand Cats. Quant à moi, je vais escalader la falaise jusqu'à contrôle le grand jet. Des questions? Ouais. Pourquoi j'y vais pas, moi? Je peux faire payer Hyperion pour Sanguine. Tu la vengeras. Mais pour l'instant, je te demande de protéger Sanctuary au cas où ce serait un nouveau piège. Tu prendras ta revanche, Mordecai. C'est promis. Fais confiance, Roland. Chasseur de l'Arche, on a une idée pour voler la clé de l'Arche et empêcher Jack de réveiller le guerrier. Il suffit juste de passer un champ magnétique qui est censé te réduire en cendres, puis de détruire un bunker capable d'anéantir un continent, et enfin de franchir une porte impossible à ouvrir. Sa façon à lui de nous dire, on va tous crever.
Il faut emmener Claptrap à Thousand Cats. Il n'y a que lui pour couper le champ de force. Dans la douleur, les gars. On va bien se marrer. Pendant ce temps-là, t'as les deux touristes en train de dire waouh! Oh mon dieu, vous êtes trop mignon! J'allais dire qu'il fallait qu'il fasse gaffe, il fait des gestes qui collent pas à ce niveau. Mais. Ouais, bon, après. Bon, sinon, c'est pas grave, un petit. Tu vas nous faire un petit twerk sur la table de guerre, c'est ça? J'aimerais bien, en fait, le truc là-haut, il me gêne. J'ai cru que t'allais lancer une grenade! Hop! Oh, ça va, c'est bon.